la prise en charge depuis octobre dernier de 58 735 enseignants nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup reste encore à faire afin de consolider et de pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ménager aucun effort pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la quote-part du budget alloué à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, dans le registre des réformes que je porte, je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat, largement partagé aujourd'hui, est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de court nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. Hors de cette conviction qu'a été organisée du 20 au 22 août 2019, le forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14/011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15/026 du 31 décembre 2015 sur l'eau qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple, à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. Deux nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lembaïmbou, dont la production finale sera de 220 000 mètres cubes par jour, et de celle de Mbiza, elle en produira à terme 300 000 mètres cubes par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Ndjili ramènera au réseau quinois 330 000 mètres cubes par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également, toute proportion gardée, dans nos provinces, où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction, et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité, où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Inga,
Les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ses populations et même du continent. À ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien, efficacement que dans l'ordre. Tandis que l'ANSER, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro et mini centrales hydroélectriques et solaires de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dans les mesures d'application, dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés est la revisitation du monopole dont jouissaient hier encore la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques, devenues des sociétés commerciales, sont liées pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du code forestier. J'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs,